Eh bien bonsoir les gens, c'est Willy. On se trouve pour un tout nouvel épisode de notre let's play sur Sonic Colors Ultimate. Dans le dernier épisode, nous avions fini Aquarium Park. Et dans cet épisode, nous allons nous lancer du coup sur la planète Asteroid Coaster, qui a l'air un peu stylée, visuellement. Peut-être difficile, parce que c'est quand même l'avant-dernière planète. On va voir ça. Déjà la musique a un petit flow. Et on va débloquer un nouveau Wisp. Allez, let's go. On va découvrir ce nouveau pouvoir. En voix de fond, j'ai l'impression d'entendre Captain Quark. Oh non, Captain Quark, il nous voit un peu plus... Je sais pas comment expliquer. Oula, c'est quoi ça? Ah, je peux sauter. Ouh. Okay, par seconde, je pensais que je mourrais si je faisais ça, mais... Non, tout va bien. On va récupérer quelques rings. Ok. Oh, ça commence assez balèze. Hop, hop. Allez, on fait des petits drifts. Et là, hop là. Mega Wisp. Ok. Ouais. Ok, plus je mange, plus je grossis. Ok, pourquoi pas. Hop. Bon, pour l'instant, c'est assez un peu promené. Mais ce niveau commence assez fort et il est plutôt cool. Alors ça m'emmène à où ça? Hop là, petit saut. Et là, hop là, attention. Il y a quoi là-haut? Tout le coup, il y a un petit ring rouge. Ah, si j'arrive à monter. Ouais. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. Le vide. Attendez, je vais quand même monter pour voir ce qu'il y a. Ça m'intrigue, cette histoire. Bon, ok. Ok, il y a du vide, il y a du vide. Et là, hop, hop. C'est tout. Tiens, tiens. Je peux récupérer une rouge, là. Oh, il est quand même pas mal, hein, ce niveau. Pour l'instant, c'est un des meilleurs niveaux qu'on a eu. Il bouge bien comme il faut et t'as l'impression de bien jouer alors que tu fais pas grand chose. Et c'est ça qui fait un bon Sonic, je trouve. Ouh là, je vais mourir. Ah ouais, la gravité elle est un peu baisée là. Là où dans les autres Sonic, ça se voyait beaucoup plus que je galérais. Là, franchement, je trouve que je suis plutôt bien. Je me concentre. Ok. Allez, on peut le faire. Et là, j'ai plus de vie, donc c'est un peu compliqué. Faut pas sauter. Il faut juste le laisser tomber. Oh, je l'ai raté. Ah, bravo. Allez, on va réussir à l'avoir. Hein. Parfait. Allez, petite frénésie. Et on n'est pas trop mal, je pense. Hop, 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 hop. Par contre, c'est pas très très maniable, je trouve. C'est pas super maniable comme pouvoir.
Mais on est venu au bout du niveau. Ça va encore. Tir en B en plus, c'est pas trop mal. Ça me convient. Du coup, on débloque les Nega Wisp. Et c'était le dernier Wisp, non? Sinon, on les a tous maintenant. Bref, on va enchaîner avec le deuxième niveau. Et on va essayer de bien jouer. Parce que si on peut faire tout un monde où est-ce qu'on joue vraiment pas mal comme ça, moi, je serais plutôt content. Allez, c'est parti. Ok. Je voulais voir ce qu'il y avait là-haut. Ok. Pas ce que je voulais faire. Bon, le bon côté des choses, c'est que en mourant en boucle, je suis vraiment fluide et du coup le gameplay ne sera que meilleur. Parce qu'au montage, j'ai coupé tout le monde, je galère. Hein. Comme ça, tout le monde va se dire waouh, il est trop fort, Woody. Alors que non, je pue la merde, c'est mon 10ème essai. Et ça, ça se voit pas. Mais en fait, ça me dit que c'est un peu un jeu de par cœur. Hein. Une fois que tu connais le monde par cœur, tu joues trop bien. C'était le cas quand à l'époque où je jouais sur les jeux Game Boy. Ah d'accord. Allez, on va se concentrer. On va laisser tomber le Wisp parce que j'ai pas envie de mourir en boucle pour lui. Tant pis. Le petit ring rouge. Et là maintenant, on se fait trop chier. Hop. Ah, par contre, j'aime pas les jumps avec Sonic. Mais ça passe. J'ai pas envie de tenter là. Prends un peu ton casse-gueule. Est-ce que je peux le toucher par le haut? Oui. Ça se passe pas trop mal. Attention à pas se faire karma. C'est bon. Et là, allez hop, on dévore tout. Et on monte. Ah, j'ai peur à tout maintenant. Oula. Ok. On peut avancer et là. Là on fait attention. Et on passe. Je vais récupérer les petits wisps. Et on y va. Ça monte. Mince, j'ai pas eu le checkpoint. Ah, compliqué, hein.
Hop là, le petit ring. Et là, maintenant, je trouve un moyen de remonter. Ah voilà, je me suis dit pourquoi ça le focus pas. Et là je pense que je fais un double jump plus turbo, il y a moyen que je puisse avancer là-bas. Même pas besoin de turbo en vrai. Voilà, ça passe. Et on y va tranquillou. De me prendre un vieux coup à cause de la glissade que je fais. Allez hop. C'est fini. Ah c'est pas ouf mais bon. Je m'en contenterai. Que je débloque un nouveau niveau. Peut-être qu'on fera un épisode bonus là-dedans. Si ça vaut le coup. Allez, on part pour le monde 3. Allez, on y va. Ah oui, d'accord, le mec, je fonce dessus, mais je meurs quand même. Là, j'aimerais bien atteindre ça, mais je vais mourir si je le touche. Il m'aurait fallu un ring. Ok. On expérimente, hein. Ah, mais c'est chaud, hein. Faut que je trouve le bon timing pour dash pour choper l'anneau. Genre là. Et là, du coup. Ok. Le mieux, ça serait le cube, hein. Hop là. Ouais, ouais, ouais. Ah yes, ok. Pas mal du tout. Ah, il y avait un autre truc. Bon, je l'ai raté, c'est pas grave. Ah ouais, c'est un peu catastrophique. Ça a commencé très très bien, le monde, et puis là... on commence à enchaîner un peu les disaster class. Bon. C'est parti pour le niveau 4. Ah mais là ça se complique, ça se complique. Je vais me concentrer un peu plus pour mieux jouer. Et éviter de trop mourir. Bon c'est pas facile hein. Ah non, j'ai encore raté la... Oh, moi, je perds des vies. Allez, casse-toi. Allez, faut que je chope lui. À chaque fois, je tape dans le noir. Bah, ça va alors. Il faut que je survive. Et les petits dashs sur le côté, ça peut permettre de shooter un peu. Ah, il y a des boutons actionnés aussi. Il y a trop de trucs. Ah non, c'est bon. Oh, ah. Bon, c'est plutôt correct. On avance. C'est quoi cet endroit? C'est ici qu'ils les transforment en aliens négatifs et bizarres avec l'énergie effrayante. Ah,
Te voilà. J'ai bien cru que je t'avais perdu. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Regarde-les tous. Il a capturé des milliers d'aliens. T'en fais pas. On va les sortir de là. Sonic, ça fait longtemps que j'ai pas vu Yakub. Excuse-moi, mon vieux. Mais j'ai un générateur à éteindre. Ok, ouais, on se dirige vraiment vers la finale, le fin du jeu, le grand final. Ok, là on va pouvoir utiliser le Nega Wisp et le laser. Enfin, les deux sont assez sympas à utiliser, sont vraiment cool. On y va. Ok, ça commence avec une chute libre. Hop, hop. Ok, je peux l'avoir, et toi? Ok, ça veut, je pivoter ça. Bon, rien de très compliqué pour le moment. Allez, toi tu manges. Je vais pas me faire un saut, mais non, c'est mort. On va tout casser. Hop, j'ai pas le laser. Et je vois que ça pour monter. Très bien. Aïe 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 aïe. Un ring s'il vous plaît. Merci. Allez hop, je détruis tout. Et ça m'aide pas beaucoup. Je vais en moyen de monter. Wow, de faire ça. C'est un peu le glitch, mais bon, ça va me permettre d'avancer un peu plus parce que là, je suis un peu bloqué. Ah, je crois que je vais me faire défoncer si je marche. Hop. Ouais non, ça passe pas là. Et si je booste? Ouais là ça passe. Et si je fais un coup de laser? Voilà, comme ça. Plus ou moins. De plus, hein. Je suis un peu bloqué. Ah ok. Ok, plus que deux niveaux. Donc un niveau classique et le boss. Allez, on y va. Ah, c'est comme au premier niveau. Oh, c'était stylé ça. Alors, voyons voir. Oh, je vais bien me passer par là. Bon, pas grave. On récupère un max de ring. Et petit saut. Raté. C'est bon. Alors, rendu est plutôt classe. Hop là, je passe à nos. Il faut bien timer ses sauts, sinon c'est la mort. Oula, je sais pas où je vais. C'est bon, tout va bien.
Non, ça va pas bien. Attention au pic. Ouais. Parfait. Cassez-vous, vous. Ah, c'est très space. Ça va aller plus vite si je fais comme ça. Sinon, je tombais très vite à court d'air. Hop là. Est-ce que je peux respirer sous l'eau? Normalement, oui. Mais ça, par contre, c'est dommage que je le perde aussi vite. Voir. Je suis bloqué là. Hop, on a un petit coup de turbo. Parce que je sais pas si je vais pouvoir survivre jusqu'au bout. Allez. Là on va pouvoir se déchaîner. Si je meurs pas. Attention, on va tomber. Oups là. Bon, voilà, le bon côté des choses, c'est que je peux récupérer le petit ring rouge. Et là, on peut y aller. Alors, voyons voir. Voilà. En vrai, c'était tout simple, fallait juste que j'arrive à bien timer mon coup. Et je dois recommencer, je pense. Ah, j'ai raté. Voilà. Encore un coup. Oula, ça va beaucoup plus vite. Non, j'ai voulu piffer, mais faut pas piffer. Allez, calme-toi. Dès que j'aurai un bon point de vue avec la caméra, je pourrai le toucher. Ça va trop vite. C'est bon. Allez, on plonge. Et c'est bon. Allez, on skip. Ok. Plus que le boss à battre. Bref. Allez, on se fait le boss. Le monde... Ah. Cinématique. Tu sais, j'aime pas du tout ce que tu fais à mes amis. C'est du travail de vermine, donc je vais t'exterminer. Eh ouais, je m'échauffe. Ça te pose un problème? Je veux te détruire sans me faire mal. Pas envie d'avoir un muscle froissé plus tard. Ça y est, je suis prêt. Bien sûr, si tu veux t'enfuir, fais-toi plaisir. Y a pas de honte à avoir. Enfin, pas trop de honte en tout cas. Vous les robots, vous êtes pas très bavards. Attends. En tout cas, je t'aurais prévenu. Alors, c'est quoi ça? Bon, ça va, ça, on a déjà eu un boss dans le même style. Donc là, faut juste esquiver ses attaques. Essayer de récupérer des wisps et faire un petit chobo après. Bon, pour l'instant, on peut pas faire grand chose, mais à part esquiver.
Allez, rien de spécial. Y a pas des rings qui veulent spawn là? Hop là, on esquive. Ah! Ok, on peut avancer. Aïe! Ah ouais, chaud! Ah, il est un peu plus énervé maintenant. Tiens, mange tout ça. Hop là, petit wisp. On fracasse son moteur. Voilà. Et là, il se TP. Aïe. Ah mais c'est chaud. Compliqué. Allez, on va fracasser ce vaisseau. Voilà, ça dégage. Oh, il me donne pas mal de trucs. Par contre, je sais pas si la fusée va me servir vraiment à grand chose. Mais bon, on y va. XTP. Est-ce que si je fais ça... Ok, je peux le détruire. Allez, drop des anneaux s'il te plaît. Allez, on booste. Et on détruit ça. Et il repart. Mais j'aime pas son coup des météorites là. Ah! Allez. On termine au plus vite avec ça. Parce que le boss est interminable, il est horrible. Allez, faut lui faire un max de dégâts. Ça serait moins de ça à faire pour plus tard. Je trouve le safe spot. Là, on le défonce. Non, sérieusement. Allez, balance moi quelques rings. Non, il m'en balance pas. Ah, il est salaud le jeu. Hein. Et ça, je sais pas l'esquiver. Je sais pas l'esquiver, c'est trop bizarre. Voilà, c'est les météorites. Oh, je me fais un max de points avec les parapluies sur les côtés. Allez, laisse-toi faire. Ah, j'étais pas attentif, il y avait beaucoup trop de trucs sur l'écran.
va passer au-dessus de ça. Ok. Je pense qu'il faut que je me rapproche. Non, je peux m'approcher, hein. Oh, quel enfer. C'est bon, t'as fini? Il a fini. Allez, casse-toi. Laisse-moi te tuer. Ah ouais, ok, c'est un peu glitché. Ah, c'est bon normalement. C'est presque bon, je crois. Est-ce que je peux esquiver en faisant ça? J'ai envie de croire que oui. Oui, j'esquive. Oh, le combat infini. C'est super long pour un combat Sonic, ça. Allez, lâche-moi quelques bricoles. Ah ouais, mais là, il me bloque, quoi, le mec. Allez, je vais en finir avec toi. Casse-toi, 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 casse-toi. Allez, il est presque mort. Ok, bon ça va, c'est le moins pire des patterns. Faut pas que je perde mes rings parce que je peux pas les récupérer une fois qu'ils sont tombés. Et je vais garder ma fusée pour si je passe en dessous de lui. Ce qui peut pas tarder à arriver. Ok, je fais des petits sauts comme ça pour faire des... Voilà, tirer vers des tirs aériens et passer en dessous tranquillement. Allez. Finissons-en plus vite. Allez, ça dégage. C'est le pire boss que j'ai eu à faire. Heureusement que le montage est là, hein, franchement. En voyant ça, j'ai peur pour le dernier monde. Hein. J'ai presque trouvé sa dure. Sonic, t'as réussi! J'y serais pas arrivé sans toi, mon ami. Merci. Hey, on mérite tous les deux un peu de repos. Ouais, et si on allait dans un parc d'attractions, par exemple? D'accord. Mais un parc un peu moins diabolique que celui-là, hein? Alors, tous les aliens sont libres? On dirait que oui. Une fois que le pouvoir s'est dissipé, les verrous se sont ouverts. J'espère que Yaker va bien. Je suis sûr que oui. Tu crois quand même pas que l'arme qui t'avait touché marche encore? Pas sans pouvoir pour la faire fonctionner. Je pense que tout va bien. Voilà qui fait plaisir. Ma
Maintenant que les générateurs sont détruits, on met les voiles et on rentre chez nous. On a réussi. Comment ça, on? Je me rappelle pas t'avoir vu combattre des robots cinglés. C'est vrai. Eh bien, heureusement que tu as inventé un traducteur qui nous a permis de parler aux aliens et de savoir ce qu'on devait faire. Comme ça, on courait pas dans tous les sens bêtement. Non, attends. C'était moi, ça. C'est pas faux. Toujours est-il qu'on peut enfin quitter cet endroit de fou. On dirait que les aliens sont contents de rentrer chez eux. Je crois qu'on vient de débarquer dans une fête. C'est nous la fête! Nous sommes les invités d'honneur! Carrément! Bizarre ce move de danse, Sonic, hein. Un peu dégueulasse, hein, je trouve. Bon. Prochain arrêt, astéroïde, erreur système critique. Je répète, erreur système critique, viens. On a bientôt fini. Donc je vous laisse là pour cet épisode. Le prochain épisode risque d'être le dernier. Avec Terminal Velocity. Je suis bien curieux de voir ce que ça nous réserve, même si j'ai un peu peur vu qu'on a vachement galéré sur ce dernier monde. Bref. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite et la fin de notre Let's Play sur Sonic Colors. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.